Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, et ça va vous surprendre, nous allons encore parler des secrets de Dumbledore. Mais tout simplement, il y a une rumeur qui est arrivée il n'y a pas très très longtemps sur ce troisième volet tant attendu des Animaux Fantastiques qui sort toujours en France le 13 avril 2022. Et cette rumeur, on ne pouvait franchement pas passer à côté, on avait besoin d'en parler avec vous. Alors, attention, cette rumeur, elle était déjà sortie dans une affaire de leak dont on n'a absolument pas voulu vous parler. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de activistes sur les réseaux sociaux qui ont vraisemblablement publié un certain nombre de points clés de l'intrigue des secrets de Dumbledore, mais par respect pour la Warner Bros. Et pour l'œuvre de J.K. Rowling, nous n'avons absolument pas souhaité nous en inspirer et nous n'avons absolument pas souhaité en parler pour la simple et bonne raison que ce procédé est absolument dégueulasse, immonde et en plus illégal, que ce sont des gens qui ont pu avoir la chance de participer aux projections test et qu'ils ont finalement balancé des choses sur internet en dépit de tout accord de confidentialité et autres, et ce n'est pas l'esprit de notre chaîne. Nous, on vous parle de rumeurs quand ce sont des rumeurs qui paraissent suite à la déclaration d'un acteur ou d'un membre de l'équipe, où là pour le coup c'est une véritable rumeur qui peut être confirmée ou infirmée, mais en aucun cas on ne partagera sur cette chaîne évidemment des informations qui ont été obtenues d'une part de manière totalement illégale et qui d'autre part viennent finalement remettre un petit peu en cause l'intégrité et de la Warner Bros. Et de J.K. Rowling. Vous le savez, on a des choses à reprocher à la Warner Bros. Parfois sur leur manière de communiquer vis-à-vis des fans, etc. Bon, ça voilà, c'est le droit finalement de tout créateur de dire quand il est d'accord et aussi de dire quand il n'est pas d'accord, mais il y a des choses qui ne se font pas, il y a des questions de respect, il y a des questions de respect pour toutes les personnes qui ont travaillé sur l'ensemble des films des Animaux Fantastiques, qui ont travaillé à la production, à la pré-production comme à la post-production, et le fait de voir comme ça un certain nombre d'informations sortir par des personnes en plus qui visent uniquement à abattre le Wizarding World, ça ne serait franchement pas digne de la qualité rédactionnelle qu'on essaye de vous offrir sur notre chaîne, et on ne voulait absolument pas revenir sur ces informations. Là, en l'occurrence, la rumeur dont on va vous parler, c'est une rumeur en fait qui est parue suite à un certain nombre de propos qui ont été tenus par des membres liés à la production des Animaux Fantastiques 3. Donc ce sont des personnes qui ont travaillé notamment sur les décors et sur les accessoires qui effectivement se sont un peu exprimés dans la presse et donc il y a eu un certain nombre de reprises. Mais évidemment, il ne s'agit en aucun cas d'un quelconque leak ou d'une quelconque information qui aurait été publiée avec des procédés absolument dégueulasses portant atteinte à la fois à J.K. Rowling, à la Warner Bros. Et à toutes les équipes qui ont travaillé sur les Animaux Fantastiques. Alors, de quoi parle cette information pour qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, puisque c'est évidemment ce qui nous intéresse. Alors, la grande question dans finalement toute la saga des Animaux Fantastiques, c'est d'essayer d'identifier la manière dont, quelque part, on va retrouver des personnages que l'on a connus dans Harry Potter, que l'on a aimés dans Harry Potter, et qu'est-ce qu'ils vont apporter finalement à la grande histoire des Animaux Fantastiques. Alors, en l'occurrence, on a déjà découvert dans Les Crimes de Grindelwald, Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, même si sa présence a été très critiquée pour des espèces de raisons de timeline qui n'étaient pas tout à fait respectées, mais bon, ça encore une fois, c'est la liberté de l'auteur et la liberté des équipes artistiques de faire des choix artistiques, hein, c'est comme ça que ça fonctionne dans le cinéma. Parfois on fait des choix qui sont pas tout à fait cohérents, mais qui viennent soit nourrir l'intrigue, soit aussi mettre un petit coup aux fans en leur disant, vous voyez, on est bien dedans, en plus c'est nécessaire, parce que c'est vrai que quand on a des films aussi denses que Les Crimes de Grindelwald, et parfois il faut quand même rattacher les fans à quelque chose qu'ils connaissent, et donc effectivement avoir intégré Minerva McGonagall, c'était quelque chose qui nous paraissait nous utile et pas franchement gênant, puisque ça ne vient pas remettre en cause toute la cohérence du récit. Donc bon, ça c'était un point. Mais on sait aussi, on vous en avait déjà parlé dans une vidéo il y a déjà un certain nombre de mois, que un certain nombre d'autres personnages pourraient apparaître dans Les Animaux Fantastiques 3, 4 et 5, et qu'on aurait déjà pu rencontrer dans les films et dans les livres Harry Potter. Alors, évidemment, on sait tous qu'à un moment ou à un autre, et c'est normal puisqu'on sera en plein dans la timeline officielle, on sait que Voldemort, donc Tom Gélusor à cette époque-là, va apparaître au détour probablement d'un caméo ou peut-être d'une petite intrigue qui va être créée dans les prochains volets des Animaux Fantastiques, a priori pas dans le 3 mais peut-être dans le 4 et dans le 5, puisqu'en plus entre le 4 et le 5 normalement la Chambre des Secrets va être ouverte et Mimi Géniard va décéder, donc on peut imaginer que voilà, il va y avoir une apparition à un moment ou à un autre du Seigneur des Ténèbres, peut-être dans le dernier épisode, pour finalement faire le lien avec la saga Harry Potter. Là-dessus tout est possible, mais il y avait aussi toute une foule de personnages dont on pouvait
entre guillemets, parié sur la présence. Vous avez parlé notamment du professeur Binns, on vous avait parlé de Peeves, et on vous avait parlé également de Hagrid. Et cette vidéo, elle va évidemment faire le point sur la présence ou non de Hagrid, puisque la rumeur dont on a envie de vous parler, c'est qu'on assisterait dans les Animaux Fantastiques 3, les secrets de Dumbledore, à une course-poursuite, ou tout du moins à une chasse, entre Thésée Dragono, Norbert Dragono et des araignées. Alors, bon, si vous êtes un peu arachnophobe, vous inquiétez pas, on va pas trop parler des araignées, mais un petit peu quand même, mais on va essayer de vous préserver de tout ça. Alors, a priori, ce qu'on en sait, mais ça, ce sont des choses qui devront être vérifiées dans les prochaines semaines, avec notamment soit la bande-annonce, soit le trailer, soit évidemment le film. On vérifiera toutes ces informations, mais a priori, on aurait cette espèce de course-poursuite qui se déroulerait dans la forêt interdite de Poudlard. Alors, pour des raisons actuellement que l'on ignore, on peut toujours imaginer d'ailleurs une scène d'introduction où on voit effectivement Norbert partir à la recherche du venin d'Acromantule. Tout est absolument possible. Et donc, on sait que dans cette course-poursuite, en fait, il va y avoir tout un tas d'araignées. Alors ça va pas être agréable pour certains au cinéma, notamment si vous avez peur des araignées. Nous, on a un petit peu peur des araignées du côté de Chloé, moi c'est plutôt le côté des serpents, mais bon, on va essayer de faire avec quand même. Mais on va avoir cette espèce de course-poursuite, et forcément, nous, quand on nous dit araignée, forêt interdite, Norbert Dragono, on se pose tout de suite quand même la question de savoir si derrière tout ça ne se cacherait pas, d'une part, les acromantules, et d'autre part, Rubius Hagrid. Et oui, forcément, puisque vous le savez, et on l'a découvert dans l'intrigue de Harry Potter et la Chambre des Secrets, il y a un certain nombre de points qui peuvent effectivement relier Rubius Hagrid à Norbert Dragono. Quand on découvre dans le souvenir de Tom Jedusor, alors souvenir qui a peut-être pu être un peu perverti par Jedusor, mais bon, globalement, on peut imaginer qu'on est sensiblement dans la même logique, on sait que Hagrid a réussi à se procurer une acromantule grâce à un voyageur qui lui aurait donné. Le voyageur, on ne sait pas trop qui c'est, mais on peut imaginer évidemment que c'est un magizoologiste qui est habitué à faire des voyages tout autour de la planète pour trouver des espèces relativement rares. Bon, là, vous nous voyez venir. Quand on pense un petit peu à ça, et quand on voit l'amitié que peut avoir Norbert Dragono, et même dirons-le, l'amour que peut avoir Norbert Dragono pour des créatures parfois relativement flippantes, finalement, on se dit, et pourquoi ? Est-ce que Norbert Dragono ne serait pas effectivement le fournisseur d'acromantules officiel de Rubius Hagrid ? Oui, on peut se poser la question. Nous, là-dessus, on sait pas trop, mais finalement, quand on se pose un petit peu et quand on regarde les dates, tout est possible. On sait que Rubius Hagrid naît en 1928. Il fait a priori son entrée à Poudlard au tout début des années 40 ou à la fin des années 30. La timeline des Animaux Fantastiques 3, les Secrets de Dumbledore, n'est pas exactement connue. D'après les dernières rumeurs, on se situerait en 36 ou en 37, mais pour l'instant, c'est pas très très clair. En tout cas, bon, de manière assez évidente, on se rapproche plutôt de la fin des années 40. Donc, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, pourquoi pas, une petite apparition d'un jeune garçon demi-géant qui se trouverait à Poudlard au moment où Norbert Dragono pourrait s'y trouver. Enfin, absolument, tout est possible. Hein. On peut avoir une espèce de caméo, une petite référence qui serait relativement agréable. Alors après, encore une fois, c'est une rumeur, il n'y a pas de confirmation. Et sur Rubius Hagrid, ce n'est qu'une théorie que nous avançons, parce que c'est vrai que quand on nous parle d'araignées de forêt interdite et d'un magizoologiste qui court derrière les araignées, quelque part, on peut quand même se poser la question de savoir s'il ne s'agit pas des acromantules. En plus, c'est vrai que ce sont des créatures fantastiques qui peuvent relativement faire penser quand même à l'intrigue de Harry Potter, donc il y a aussi cette espèce de clin d'œil là qui est présent, donc finalement tout est possible, et la présence de Rubius Hagrid, en plus de celle d'Abelford Dumbledore, serait une manière finalement de rattacher encore toujours plus la saga des Animaux Fantastiques à Harry Potter, et ça là pour le coup, nous on n'aurait absolument rien contre et rien à dire. En plus là, s'il faut modifier un petit peu la timeline pour faire avancer l'entrée de Hagrid à Poudlard de 2 ou 3 ans, enfin très sincèrement ça change pas fondamentalement les choses. Tout est possible, et là-dessus, nous, on n'a pas de problématique particulière. Maintenant, après, pour l'instant, il n'y a rien qui a été annoncé. Le casting des Animaux Fantastiques 3, les Secrets de Dumbledore, pour l'instant, ne nous a révélé que les personnages principaux, et on n'est pas descendu dans les personnages secondaires, donc on n'a pas encore cette information véritable, finalement, de la présence des uns et des autres. Après, tout est possible, on peut vraiment, et évidemment, faire des plans sur la comète, mais on peut très bien imaginer, effectivement, qu'ils aient casté un jeune
jeunes acteurs, voilà, de grande taille, ou qu'ils peuvent augmenter numériquement, et puis dire, bah voilà, c'est Rubius Hagrid, jeune, enfin, franchement, là-dessus, tout est possible, d'autant plus que, voilà, la vision telle qu'elle est donnée dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, elle date forcément un petit peu, elle a déjà 20 ans, 21 ans, on peut, voilà, en plus, tout est quand même dans un souvenir assez figé, avec une photographie très particulière, donc on peut vraiment jouer là-dessus, et jouer avec les nouvelles technologies pour avoir un personnage qui ressemblerait vraiment à quelque chose. Maintenant, après, là-dessus, évidemment, encore une fois, il faudra attendre des informations supplémentaires, mais c'est vrai que, pour le coup, nous, ça nous plairait vachement de revoir ce bon vieux Rubius Hagrid, dont certains taxent en ce moment, d'ailleurs, de termes peu flatteurs, toujours dans l'optique de détruire la saga Harry Potter, hein, puisque vous savez qu'il y a aussi d'illustres personnages qui osent dire que Harry Potter serait absolument grossophobe, tout en oubliant que, finalement, Hagrid est peut-être l'un des personnages les plus attachants de toute la saga Harry Potter, celui avec qui finalement presque tout a commencé et celui avec qui presque tout s'est fini lors de la bataille de Poudlard. Hagrid, voilà, c'est un peu le personnage assez fantastique, assez humoristique, qui réussit finalement à transmettre des messages qui sont importants. On sait aussi que, voilà, Hagrid, c'est celui qui a une appétence très particulière pour les créatures fantastiques et pour les créatures magiques. Donc finalement, le lien avec Norbert Dragono, il nous semble quand même assez logique et on peut vraiment s'y attendre. Après, bon, on verra évidemment si tout cela se confirme, mais on peut vraiment s'attendre effectivement, pourquoi pas, à la présence de Hagrid dans Les Secrets de Dumbledore. Nous, en tout cas, ça nous plairait. Alors après, voilà, encore une fois, ce sont des rumeurs qui ne sont pas confirmées, ce sont des rumeurs sur lesquelles nous n'avons pas aujourd'hui d'informations suffisamment fortes pour vous dire oui, ça se passera. Ce sont véritablement que des rumeurs de presse et des informations qui ont été lâchées, notamment par les équipes des accessoires lors de la production des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. Donc là-dessus, voilà, bon, il va falloir attendre encore quelques temps, on va attendre gentiment jusqu'au mois d'avril, peut-être qu'on aura quelques réponses dans le teaser, après tout, tout est possible, mais bon, souvenons-nous que cette espèce de caméo avec une jeune Minerva McGonagall, nous l'avons découvert au moment de la sortie du film, c'était pas plus mal aussi, et finalement, nous, on aime bien quand même les surprises, mais voilà, bon, c'était un peu la rumeur dont on avait envie de vous parler, parce que c'est vrai que le personnage de Hagrid est un personnage vraiment tellement attachant qu'on adorerait le retrouver, même ne serait-ce que pour un caméo de quelques instants dans Les Animaux Fantastiques. Alors, est-ce que ce sera dans le 3, est-ce que ce sera plus tard, on sait pas, mais en tout cas, il fait partie de toute façon de la shortlist des personnages Harry Potter qui pourraient évidemment faire une apparition sans que cela vienne déranger le récit ou bousculer trop de timeline. Donc là-dessus, absolument tout est possible et nous, vraiment, pour le coup, enfin, on vous le cache pas que c'est vrai que ce personnage, on a envie de le voir, comme on a envie d'ailleurs de voir Tom Jedusor jeune, si ça se fait pour les deux derniers volets, mais en l'occurrence, on a vraiment hâte de découvrir si notre théorie est bonne ou pas. Enfin bref, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec cette théorie, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous aimeriez vous voir Hagrid apparaître dans Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. Ça nous ferait vraiment plaisir de pouvoir regarder ça avec vous, parce qu'on a vraiment envie finalement de discuter de ce personnage. D'ailleurs, on va peut-être faire bientôt une ou deux vidéos sur sa jeunesse, etc., parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Et puis voilà, on va vous attendre dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait plaisir de voir notre communauté grandir de semaine en semaine. Enfin, franchement, pour nous, c'est un plaisir, mais absolument immense, vous pouvez pas imaginer. N'hésitez pas aussi à nous laisser un petit like, parce que vraiment, ça aussi, c'est quelque chose qui nous fait plaisir de voir que nos contenus vous plaisent. Et donc, on se retrouve très bientôt pour parler à nouveau des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, et aussi de cette fabuleuse saga qu'est Harry Potter. À très bientôt.